les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je voulais partager avec vous mon petit hôtel pour Beltane ce soir. Voilà, donc là, je fais une petite purification à l'eau Liban. En attendant, j'ai déjà préparé mes offrandes. Et puis ce soir, je ferai mes petits rituels de prière pour cette magnifique fête de Beltane. Donc, mon petit calendrier du mois de mai où on a la phrase « Je chéris les moments de méditation ». Je vais essayer d'en faire davantage pour ce mois de mai. Donc là, vous voyez qu'on a ma tête de Bouddha, l'eau Liban qui brûle. Alors, au premier plan, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? Pas des choses que vous ne connaissez pas, hein. Je pense que vous avez déjà tout vu. Ma petite pointe de citrine avec ma petite pointe de cristal de roche. Voilà, avec ma petite renarde qui veille sur tout ça. Une oralite 23 en pointe. On a aussi un cristal morion en pointe. Et on a une super seven en pointe aussi. Et donc mon œuf en onyx. Voilà. Ensuite, on a ma Vénus de Willendorf qui est assise sur une septaria. Mon petit lapinou d'Ostara, donc je vous l'ai dit, avec l'aubépine et le papillon. On a Monsieur Audi, bien entendu. Ma petite pierre des fées et une pointe d'améthyste. La rune de Reido pour avancer. Petite bougie qui est aux couleurs un peu du feu pour justement célébrer cette fête. Ma petite fée de Brocéliande avec la potion de Merlin. En fait, ça vient d'une fontaine de Brocéliande. Le nom, je l'ai quelque part. C'est la fontaine de Barenton. Voilà. Fontaine de Barenton. C'est l'eau de Merlin que j'ai mis dans la petite fiole. Ça, c'est une pierre qui vient de Brocéliande, qui m'a été ramenée par mon amie Géraldine, ainsi que la petite fée et l'eau de Merlin. Là, on a The Fairy Tree House. on a la brume créativité, qui sent les agrumes, qui sent super bon. Tout derrière, on a un chat et un corbeau qui veillent sur ma potion d'Harry Potter, ma potion d'amour. Donc les trois bougies là, la potion Amortentis avec le chaudron et la tasse d'Alice au Pays des Merveilles. Ça vient de Stéphanie qui a le shop The Bat in the Hat. Le livre, hop, des éditions d'Anaë Beltane, bien de circonstances que j'ai lu encore juste avant cette magnifique fête. Et je vais m'inspirer des prières évidemment qui sont dans le livre. Ensuite, on a, hop, une pierre magnifique qui est une pierre d'ancrage du bois silicifié avec la petite déesse et une magnifique agate dendritique. Il y en a une autre ici en forme de menhir. Là, on a ma boule de cristal sur améthyste, encore du bois silicifié, plus rouge cette fois. Mon petit brin de muguet, mes cartes du mat tarot qui représente eh bien, l'as de coupe qui va représenter le printemps, le renouveau, et les amoureux qui vont représenter la fécondation de la déesse par le dieu, et donc cette fête de Beltane, avec ma pierre en pierre de lune noire. Je vais y arriver, je crois que j'ai fait le tour. Ouais, à peu près. Et ça, c'est mon petit plateau d'offrande que je vais offrir au dieu et à la déesse aujourd'hui pour leur union et pour faire tous mes rituels de prière pour que mon évolution soit bonne, prospère, féconde. Donc, j'ai mis du thé avec des petits fruits, mis des oranges, poires, kiwis, bananes, ce que j'avais en fait, et 13 noix, voilà. Et donc, eh bien, je voulais partager avec vous cet hôtel. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu de voir un petit peu comment je préparais Beltane ce soir. Voilà, donc là vous avez, je crois, une vue à peu près d'ensemble. Voilà les amis, je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Bye bye!